Bonsoir à tous, ici Fixé l'accès. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur House Flipper. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah, des missions, bien évidemment. Alors, on va commencer très vite, hein. Alors, radiateur, mur apparente. Je pense que je vais faire radiateur, comme ça, c'est débarrassé. Donc, radiateur. Alors, si je dois payer pour quelque chose, soit je suis pleinement satisfait, soit je ne paye pas. L'hiver arrive, les hivers sont rudes, et dans ma maison, il n'y a pas de radiateur. Installe-en. Point. 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 Genre même pas de formule de politesse au moins. Non mais sérieux. Mais c'est qui lui pour me demander comme ça? Oh. Est-ce qu'il y aurait un grenier dans cette maison? Vu la hauteur. Non, je pense pas. Genre ici, là, il y aurait carrément pu avoir un grenier. Bon. Hop là. Waouh. Ça fait beaucoup de portes. Et le rouge là, enfin le orange, ça fait flashy. Ça fait un peu trop pour une porte d'entrée, non? Bah, t'as des radiateurs, Michel! Mais Michel! Depuis quand il n'y a pas de radiateur chez toi? À moins que ça soit dans les deux autres pièces. Bon, ok. J'ai rien dit. Oh! Ça a l'air plus élevé. Hop. Y aurait-il d'autres? Non! Ok. Radiateur. Hop. On visse. Voilà. On visse. On visse et on visse. Voilà, cette chambre c'est fait. Par contre, des meubles de cuisine dans une chambre d'enfant, ça va pas du tout. Et le verre avec l'orange, ça va pas du tout non plus. Et la chaise en bois comme ça va pas du tout non plus. Oui, je juge. Encore? Ah d'accord. Non, c'est bon. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Montage. 100% plus rapide. Haha, ça c'est bien. Ok, nickel. Du coup, on va acheter un radiateur, s'il vous plaît. Ça m'a empêché d'acheter un radiateur. Voilà. Hop. Ah ouais! Ah ouais! Non mais là c'est une Formule 1 le mec. Ah ouais, c'est nettement plus rapide. Genre la mission va la faire en 2 secondes, on pourra en faire une deuxième. Yes, génial. Vraiment. Alors, ici, je pense qu'il y a largement la place pour mettre... Attention, attention, attention. Un meuble de salle de bain. Oui, un meuble de salle de bain. Oui, bien sûr. Ah, faut dévisser, c'est vrai. Hop. Merci. On l'achète. Oui, celui-là, parce que ça vient avec le blanc. Voilà. On peut le monter? Ah oui, d'accord. Faut ouvrir les portes pour l'installer. C'est pas faux. Ça va tellement plus vite. C'est génial. Hop, voilà, voilà, hop, 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 on enchaîne, ça s'en va, hop là, hop, un chauffage, un radiateur de salle de bain, tiens, hop, hop, on te l'installe, voilà, voilà, oui je sais ça va trop vite pour moi, on met ça, hop, hop. Hop, hop, hop. On est un peu dans la peau de Flash, le super-héros qui va méga vite. J'ai déjà fini la mission. Incroyable. J'ai déjà fini la mission, bien sûr. 2 salles de bain, c'est parfait. Mais s'il y en avait 3, ce serait encore mieux. Ah bah c'est clair que vu tout le monde que vous avez, c'est vrai que c'est mieux 3. Hein. Pour faire passer 3 en même temps à la douche, ça serait bien. Alors, prochaine mission. Imagine, on peut en faire 3 dans la même journée. Ça serait incroyable. Il faut s'occuper du mur, rajouter un mur. Mur amarante. On va faire mur amarante. Et après, on fera un rajouter un mur. Je sais ce que c'est rajouter un mur. Vous vous souvenez quand j'ai fait la vidéo. Lors de la dernière vidéo à House Flipper, on avait mis des murs. Du coup, mur amarante, je pense qu'on va devoir repeindre.
ça se fera en accéléré. Du coup, ça réduira la durée de la vidéo. Et du coup, on pourra en faire une troisième de mission. C'est génial, non? Oui, je sais. J'enchaîne. Je suis trop rapide. Hop. Alors par contre, ça, c'est pas une télé. Je suis désolé, mais apparemment, c'était un moniteur dans le magasin. Du coup, tu veux monter les équipements. Les équipements. J'en vois un là. Derrière le frigo. Je ne suis pas aveugle. C'est bien derrière le frigo. Non? Derrière ce meuble? Ah, voilà. Je me disais bien qu'il était quelque part. Ah oui, merde. Mince, ça améliore aussi ça pour la prise. Voilà. Bah en fait, c'est génial. On visse. Et on remet tes meubles. Parce que sinon, tu vas pas être contente. Hop. Voilà. Merci de bien vouloir te remettre comme tu étais avant. Voilà. Magnifique. Et en vrai, c'est joli, hein. Vraiment, le tapis, je l'aime bien. Le tapis, je l'aime bien. Alors, peinture. Il nous faut du aventure amarante. Mince. Clavier est en anglais. Aventure amarante. Ah ouais, c'est du... Ouais. Ça fait bizarre d'avoir moins d'outils comparé à la dernière fois où j'ai rénové la maison. Je pense que l'aventure amarante... Ah, aventure amarante est gris, d'accord. D'accord. The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. Watch me shine and fly. But then crack the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. Voilà, 100%. Voilà. Donc, il y a un équipement à monter quelque part. Oh non, je peux pas revendre mes pots de peinture. Oh là là. Mais c'est pas possible. Alors, je crois que c'est ici. Dans la minimap, il n'y a rien, donc c'est pas ici. Où c'est? Ouais, c'est ici, je crois. Non. Non, c'est pas ici. Oui, le point rouge est là. C'est ici. Qu'est-ce qui va pas? Ah oui, cette prise, en effet. Elle n'est pas très belle. Voilà. On met trois fils. Hop, on visse. Voilà. Tout a été vissé, monsieur. Voilà. 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 Magnifique. Tout est terminé. Tout est nickel. Alors par contre, t'as un PC, mais t'as pas de clavier et de souris. C'est pas logique. Voyons. À moins que ça soit une télé. Par contre, regarder la télé dans la chaise assise, c'est pas tellement pratique. Voilà! Eh bien, écoutez, on a terminé cette mission à 100% qui nous rapporte 1169,70. Magnifique! Deux baignoires pour moi! Oh mon dieu!
Ou une amie pour mon ami. J'ai pas compris là. Ou bien c'est moi qui ai mal lu. Alors, oh, ça a l'air des chantiers plus élevés. Ha ha ha. Exigence du chantier, exigence du chantier. Ça ne sert à rien, honnêtement. Je trouve que c'est inutile. Parce que, voilà quoi. Je vous demande de m'aider, je payerai. Ça, je le ferai au prochain épisode. Ça me tente là. Je le vois, j'ai envie de cliquer dessus, mais non, je veux faire autre chose, voyons. S'occuper du mur, tiens. Hop là. J'ai même pas lu le message. Je suis incroyable. Hein. Je suis incroyable. Je ne lis pas le message et je découvre sur place. C'est pas possible. Je me souviens de cette maison. Très bizarrement. Ça ressemble vaguement à celle de du monsieur qui était vénère. Ah, par contre, lui, il accède directement à sa cuisine comme ça. Pas besoin d'une porte ici. Bon, honnêtement, si, hein. En tout cas, la cuisine est très belle. Il y a deux meubles d'angle qu'on avait essayé de mettre lors du dernier épisode. Ce canapé me plaît pas trop. Et double meuble de machin, là, ça me plaît pas trop non plus. Le radiateur, il aurait dû le mettre là. Et le meuble TV, là. Avec la télé dessus. Parce que le meuble suspendu, il pourra pas. Je juge trop. Je juge trop. Voilà. Oh, ici, c'est une chambre assez petite. Ça. Ouais. C'est pas ici, apparemment. Ah si, tu veux casser ces murs, d'accord. Je me disais aussi, mais qu'est-ce qu'ils veulent que j'y fasse? Il veut casser les murs de la cuisine et du salon. Bah oui, les ouvrir, ça serait nettement mieux. J'avais oublié que j'étais là pour ça. Honnêtement, ouais. Il a largement une bonne idée. Alors, par contre, ce mur n'est pas repeint, ça me dérange. Est-ce que je gâche de l'argent pour acheter? Allez, on va être sympa. Vraiment, très sympa. Je peux vous dire que personne n'aurait fait ça. Vraiment personne. B, L, A. Mince. Il n'y a même pas eu besoin de mettre le A, c'est pas grave. Alors, le pinceau. Ah, c'est pour ça qu'ils nous l'avaient donné. Ils sont malingues. Hop. Tu le revends à la moitié de son prix, sérieux. C'est incroyable. Bon, sinon, j'ai fini. Ah, il reste une tache dans les autres pièces. Quelle autre pièce? Faut faire quoi dans les autres pièces? Ici, il y a quoi? Pas de tache. Ah, faut peindre dans une autre pièce, apparemment. Ah, ici, il faut peindre. Peindre avec du bleu somnolent. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Et voilà, 100%. Je peux revendre? Oui, je peux revendre. On peut ouvrir la porte. Voilà.
Fermer ça. Et c'est bon. Et attendez. Ça me dérange qu'il soit là. Je vais le mettre ici. Voilà. Bon, maintenant, on va revendre la maison. Hop. Enfin, revendre la maison. On va finir le chantier pour 5 263,65 €. Magnifique. Des meubles classiques. Tu ne sais pas que je ne peux pas les supporter. Eh bien, écoute, tu te débrouilles. Tu les achètes, tes meubles classiques. Voyons. D'ailleurs, notre cabane est vraiment moche, je trouve. On la rénovera peut-être au prochain épisode. Allez, rénovation du cabanon au prochain épisode. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir, ainsi que de vous abonner. Sur ce, c'était Fuxilax. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao, les amis.